L'organisation Leader de demain, en collaboration avec Soupa Fondation et Give Smiles, récompense les meilleurs élèves de EPP Bad Dadzopé et font un don de 500 kits à l'établissement. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence et la solidarité, comme nous l'explique Armel Mendy. Remettre l'excellence au cœur de notre système éducatif et scolaire en mettant en lumière les élèves qui se distinguent par leurs résultats est aujourd'hui un impératif pour un pays qui ambitionne rayonner à tous les niveaux. Ainsi, établissements publics et privés, partenaires de l'éducation, multiplient les cérémonies de récompense pour les meilleurs élèves en vue de créer une saine émulation au sein de ceux-ci. C'est le cas de l'organisation Leader de demain qui, en collaboration avec Soukma Foundation et Give Smile, ont remis le 22 septembre dernier des kits scolaires aux meilleurs élèves de l'EPP BAD d'Adzopé. Une initiative qui vise à promouvoir les plus méritants à travers le programme Africa's Future Leaders. Africa Future Leaders, qui est en creuset de formation des leaders de demain, est résolument engagée en faveur de l'éducation à travers sa politique sociale. Elle œuvre pour la promotion d'une culture d'excellence, de sensibilisation, de formation et d'insertion au sein de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons pu voir avec beaucoup de satisfaction les élèves qui ont pu atteindre 9 de moyenne sur 10. Il faut dire que l'excellence, c'est un travail de tous les jours. Nous, jeunes, on sera toujours présents pour apporter notre contribution au développement de notre pays. Je veux ici remercier tous nos partenaires grâce à qui, et aussi nos bénévoles, oui, parce que c'est grâce à tout le monde que nous arrivons à offrir 500 kits scolaires aux élèves de EPP BAD Azopé. C'est un grand merci à tout le monde. Toutes ces actions tombent à point nommé à un moment où la Côte d'Ivoire est en pleine réflexion sur les stratégies pour remettre en selle son système éducatif.